Christine and the Queens, l'album Chris cartonne sur France Fnac. Disponible dans les bacs depuis le 21 septembre 2018, l'album Chris de Christine and the Queens occupe la première place de ce classement. Il faut souligner qu'il existe deux versions de ce disque, une édition française et une internationale. Présentation de l'album Chris de Christine and the Queens. 4 ans après Chaleur humaine, Christine and the Queens revient avec un nouvel opus musical. Ce deuxième album comporte des sonorités R&B, funk ou encore électropop. La chanteuse propose également des ballades telles que « Les yeux mouillés » et « Machin chose ». L'artiste a décrit Chris comme étant une galette de sueur, de muscles et de peau. Les influences de cette galette en tête du classement. Pour son album Chris, Christine and the Queens s'est inspirée de plusieurs artistes américains. On retrouve notamment des influences de Janet Jackson, Eminem, Michael Jackson ou encore Madonna. En amont de la sortie de son disque, l'interprète avait dévoilé les singles « Damn, dis-moi » et « Doesn't matter, voleur de soleil ». Quelques mots sur ce second opus musical d'Héloïse Letissier. Christine and the Queens s'est beaucoup investie dans la production de son album « Chris ». La chanteuse française s'est occupée de l'écriture des textes, de la musique, des vidéoclips et des images promotionnelles, entre autres. Ces chansons lui permettront-elles de se distinguer aux NME Awards, aux Victoires de la musique et aux Brit Awards comme c'était le cas avec Chaleur humaine? Les disques figurant dans le top album France Fnac. Chris de Christine and the Queens a pris la première place du classement France Fnac. L'artiste devance Zazie et son album Essentiel. En troisième position, on retrouve Jane et les chansons figurant sur Soldier.